y a 7 ans, la vie de Roger Dufoy devient un cauchemar quand son fils Michel disparaît. Michel. Au début, j'allais vers le Haut-Port, là-bas. Tous les matins, je mettais une fleur. J'achetais à cerisier une fleur ou à l'épicerie. Je l'achetais dans le canal. Et au bout d'un certain temps, je me suis permis de mettre une plaque ici. 22 juillet 1995. Michel Dufoy est invité au mariage d'un ami d'enfance. À Nargis, un petit village du Loiret. En plein milieu de la fête, Michel Dufoy s'éclipse. Des témoins affirmeront qu'il était en état d'ivresse. Le mardi, soit 2 jours après sa disparition, son corps est retrouvé sans tête dans le canal du Loing, à Nargis. Pour Roger, son père, le temps s'est arrêté ce jour-là. Michel, il est parti à la noce de son ami le 22 juillet 1995 à 15h. Et avec sa voiture, son Alfa Romeo. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Dans la nuit du dimanche au lundi, le marié m'a téléphoné pour me dire que Michel était parti, qu'il était introuvable, mais qu'il avait laissé sa voiture. Alors moi, je ne me suis pas tracassé, parce qu'il pouvait monter dans la voiture d'une copine qu'il aurait emballée pendant le mariage. Je ne me suis pas tracassé du tout. Le lendemain, il m'a téléphoné pour me dire le lendemain matin qu'il était toujours pas revenu. Ben, il ne tracasse-toi pas, il va revenir. Et le lundi soir, c'est moi qui a rappelé pour demander s'il l'avait retrouvé. Et ils m'ont dit non, on ne l'a pas retrouvé. Et c'est donc le mardi, j'ai cherché avec la mère du marié et le marié qui était dans ma voiture. À ce moment-là, moi, je n'étais pas tendu du tout, parce que moi, pour moi, c'était... Je ne sais même pas ce que... Pour en finir, je ne sais même pas ce que j'allais faire, parce que c'était pas moi surveiller mon fils, surtout qu'il allait avoir 22 ans, il était majeur, je n'avais pas à le surveiller. C'est-à-dire que c'est le marié qui m'a rendu très inquiet, parce que moi, après, il m'a fait psychoter, enfin, il m'a fait... Parce que il a même été me dire... que pour 1500 francs, on engageait un tueur. Et il me l'a répété 3 fois. Il me dit, Roger, ici, pour 1500 francs, on engage un tueur. Et il dit, j'en connais. Alors j'ai dit, ça, de là, après, ça commence à vous faire froid dans le dos. On est obligé, après, d'avoir peur. Alors c'est ici, à droite, qu'on est parti. Je suivais le chemin. Le véhicule des gendarmes était là, donc je me suis garé par ici. Je suis descendu de ma voiture. J'ai été voir. Le marié est descendu de ma voiture. Il s'est assis là. Et donc, moi, j'ai été voir. Je voyais quelque chose sur l'eau, là, qui flottait. Écartait, là, les mains. Alors, c'est là que je me suis arrêté. J'ai regardé, parce qu'il y avait le soleil qui brillait dessus. Je voyais mal. Alors, plusieurs fois. Puis, il y a un gendarme qui m'a dit, repartez. Il dit, quand on aura sorti le corps, on vous téléphonera. Dans moi, il me semblait que c'était mon fils. Ça n'était pas sûr, mais j'avais comme un pressentiment. Une bonne...
bonne demi-heure, 20 minutes après, j'ai reconnu le corps de mon fils. Il voulait me le faire reconnaître, le garde-champêtre, en me montrant une chaussure, parce que mon fils, il était dans une housse, là. Puis, alors, il m'amène une chaussure. Je dis, japonais, ils en ont fait des milliers de paires de chaussures comme ça. Je dis, moi, je veux voir le corps. Je me suis accroupi sur le corps pour y toucher la poitrine et puis les mains. C'était bien ses mains. Ça m'a fait du bien de le toucher. Malgré que je savais qu'il n'avait plus de tête, parce qu'ils vont pas montrer le bout là. Parce que le corps, je l'avais vu dans l'eau avant. Un corps qui est le bout de la tête, le bout du cou, là, c'était bien saignant, c'était pas vieux fait, ça y avait pas longtemps que c'était fait, parce que souvent ça aurait été blanchi par l'eau, que là c'était bien rouge encore. Pourquoi ça vous a fait du bien de le toucher? C'est mon fils, c'est une partie de moi, c'est ma chair, c'est pour ça que ça m'a fait du bien de la toucher, c'est ma chair. Deux jours après avoir retrouvé le corps de Michel Dufoy, les gendarmes retrouvent la tête, dans le canal, à 50 mètres de là où se trouvait le corps, sous le pont de Nargis. Un médecin généraliste, expert auprès du tribunal, examine alors le cadavre. Sa conclusion, cause de la mort, inconnue. Très rapidement, les gendarmes bouclent l'enquête. Pour eux, il s'agit d'un suicide ou d'un accident. Une hélice de bateau aurait pu décapiter la tête de Michel. Dans un premier temps, Roger, sous le choc, laisse faire la justice et les gendarmes. Il accepte leurs hypothèses, jusqu'au jour où il se rend compte qu'on ne lui a pas tout dit. C'est là, trois semaines après, quand je suis retourné voir les gendarmes, ils m'ont dit la tête, il y a longtemps qu'elle a été retrouvée. Alors, ils m'ont dit, on l'a retrouvée le lendemain. Alors, pourquoi qu'ils avaient retrouvé la tête le lendemain, et que moi, j'ai été interrogé le lendemain après-midi, et qu'ils ne me l'ont pas dit. Ils auraient pu me le dire quand je suis sorti de la gendarmerie, mais ils ne m'ont rien dit. Alors, c'est vraiment se moquer de... J'ai vu qu'ils me prenaient vraiment pour un con. Non, mais c'est vraiment pour un con qu'ils me prenaient, là. Et c'est là que j'ai commencé, après, à monter un dossier. J'ai fait le détective privé, comme il m'appelait à un moment. Le détective privé. Le paysan reconverti en détective privé. Didier Seban, avocat de Roger Dufoy. Tous les éléments réunis par M. Dufoy démontrent qu'il n'est pas possible, dans ce canal qui est très étroit, vous l'avez vu, qu'une péniche puisse décapiter un homme sans que le marinier ne s'en rende compte, premier élément. Deuxième élément, toutes les questions qui ont été posées par M. Dufoy démontrent qu'on ne retrouve pas un homme qui a été touché par une hélice de péniche avec une seule trace aussi nette qui ne tranche que la tête. Il n'y a pas d'autres traces sur le corps. Or, on sait qu'une péniche dans un canal de ce type, elle fait de très nombreuses traces sur le corps. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas non plus explicable. L'explication facile, finalement, il s'est jeté à l'eau et une péniche lui a tranché la tête, ça n'est pas crédible. Expertise d'un professionnel de la navigation. Pour qu'une hélice soit tranchante, il faut qu'elle soit affilée et droite. Or, une hélice est inclinée et épaisse, donc non tranchante. De plus, tout le corps serait haché, vu l'importance de l'hélice. Je suis donc certain qu'une hélice d'un navire à moteur ne peut trancher franchement une tête. Ce type d'expertise permet la réouverture de l'enquête. Cette histoire devient alors l'affaire Michel Dufoy. Le corps de Michel est exhumé pour autopsie. Un véritable médecin légiste est nommé. Mais cette expertise arrive trop tard et ne permet pas de déterminer les causes précises du décès de Michel. Est-il mort avant de tomber dans l'eau? S'est-il noyé? Aucune hypothèse n'est exclue, y compris celle de la tête décapitée par une hélice, que l'expert semble privilégier. Alain Chaboteau, journaliste au Sénonais Libéré, a suivi l'affaire dès le début. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'à un moment donné, au moment où il fallait, c'est-à-dire au tout début de l'enquête, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. La réponse à tout ce que j'avance, c'est très simple. C'est pourquoi 10 mois après, on accepte de faire une autopsie. Or, que c'eût été beaucoup plus facile de faire l'autopsie dans les 24 heures, 48 heures. Et au moins, on n'aurait pas eu de doute, ou très peu de doute. Aujourd'hui, il y a du doute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question fondamentale. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment
où il quitte la fête, on le retrouve dans l'eau. Si on répond à cette question, on peut en déduire à la rigueur qu'il y a une suicide ou un accident. La réouverture de l'enquête permet d'avancer une autre hypothèse, celle de l'homicide. Une commission rogatoire ordonne alors l'audition des témoins présents au mariage. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Deux témoins directs sont au cœur de l'affaire. Le marié, celui que nous appellerons F, un ami d'enfance de Michel Dufoy, et la mariée. Nous avons dès le début de cette enquête contacté ces deux témoins, mais ils n'ont pas alors souhaité parler. Voici donc un extrait de l'audition du marié sur les derniers instants de Michel Dufoy. Un témoignage capital pour l'enquête. En fin d'après-midi, Michel a voulu repartir avec sa voiture. Comme il était ivre, j'ai demandé à un copain qui est mécano, qui se prénomme Gilles, de mettre la voiture en panne. Il a démonté une partie de la tête de Delco. Une fois cela fait, j'ai donné la clé de contact à Michel, qui a quand même réussi à reculer et a fait environ 50 mètres en direction de la boulangerie. Quelqu'un est venu me prévenir. J'ai couru après la voiture, comme Michel avait fermé la porte à clé et ne voulait pas m'ouvrir, et que j'ai vu que le toit ouvrant était entrouvert, je l'ai levé d'un côté et j'ai attrapé les clés sur le contact. Plus tard, quelqu'un est venu me dire que Michel partait sur la route. Je suis sorti avec Virginie, mon épouse, et nous avons pris la route de la boulangerie. Nous n'avons pas vu Michel. Par contre, nous avons rencontré Bill sur la place de l'église. Nous lui avons demandé s'il avait vu Michel. Il nous a dit qu'il l'avait vu, qu'il était ivre et qu'il se serait dirigé vers le canal par le petit chemin situé en face de la route de la salle des fêtes. Nous sommes allés jusqu'au canal où nous avons vu deux pêcheurs. Ces deux hommes que je ne connaissais pas nous ont dit qu'ils n'avaient rien vu. Nous avons cherché aux alentours, mais nous n'avons rien trouvé. Quatre informations sont donc à retenir. Michel était ivre et voulait prendre sa voiture. La voiture a été volontairement mise en panne par un invité. F, le marié, a récupéré les clés de la voiture en passant son bras par le toit ouvrant. Plus tard, alors qu'il poursuivait Michel Dufoy, F, le marié, a rencontré Bill sur la place du village. Bill est donc le dernier témoin à avoir vu Michel. Voilà, il descendait d'ici. Voilà. Il descendait de là. Bon ben voilà, complètement comme ça. Voilà, complètement... direction le chemin. Vous n'avez pas vu des gens qui le cherchaient? Des gens qui le cherchaient? Non, pas du tout. Non, non. Il n'y a que le lundi, il n'y a que le marié qui m'a demandé si j'avais vu cette personne-là. Le lundi. Bon, ben, je lui ai raconté la même histoire, que j'avais vu traverser la place de l'église. Et c'est tout. Ce témoignage, conforme aux déclarations faites aux gendarmes, est en contradiction avec celui des mariés. Bill déclare n'avoir vu personne à la recherche de Michel Dufoy. Les mariés, eux, affirment avoir parlé à Bill le jour même de la disparition de Michel. Deux possibilités. Ou les témoins ont la mémoire qui flanche, ou l'un d'entre eux ne dit pas la vérité. Malgré toutes les auditions, l'enquête piétine et la plainte de Roger Dufoy n'aboutit pas. Une nouvelle fois, l'affaire est classée. Mais Roger ne renonce pas et fait appel à l'un des meilleurs enquêteurs français. Jean-François Abgral, ancien gendarme, qui a, entre autres, traqué et arrêté le tueur en série, Francis Hall.